Je me présente, Madame Aïda Mbeuj, donc plus connue sous le nom d'Aïda Mbeuj, mais Aïssatou Mbeuj à l'état civil. J'ai été ministre d'État, parlementaire pendant 15 ans, pendant 3 législatures. J'ai été chez moi à Bambey, maire, pour la première fois donc pour une femme. J'ai été pour la première fois au Sénégal, présidente du conseil départemental pour une femme. Et comme vous le savez, pour la première fois aussi qu'une femme occupe le poste de président de groupe parlementaire, ça l'était avec moi pendant la 12e législature. Là, je suis chef de parti. Mon parti s'appelle l'Alliance nationale pour la démocratie, Ande Sakha Ligué, qui a commencé par un mouvement lancé en 2014 au Grand Théâtre. Et c'est devenu parti par le récépissé du ministère de l'Intérieur obtenu en 2018. Donc c'est ce parti qui m'a envoyé à l'Assemblée nationale lors de la 13e législature et qui a envoyé notre honorable député, Mame Sey Ndiaye, à l'Assemblée en 2022. Je suis devenu docteur d'État depuis août 2020. J'ai soutenu ma thèse de doctorat, dont la thèse a été publiée en livre sur la gouvernance territorialisée, modèle de développement des territoires. Remercier. Le temps est précieux, mais malgré ça, vous avez tenu à être là. Parce que Diarloro, il n'y a pas de moment. Rien que pour ça, il y a un peu de problèmes. Ils sont au bif de nous, ils sont tout simplement mobilisés. C'est lié ici au sein de la coalition. Ils sont tous les deux et on vous suit de manière très régulière. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bima jikke waxtan ak man ni ma dama bëgg une femme au palais c'est maintenant mu invité ma fi ci restaurant bi bu mu ñëwé ñu tok ñu waxtan man ko mëna nekk dé man ko koy jappalé mu ma ay dem boot lay jappalé man ko jappalé nga jamm ak lolu way man ko jappalé nga digëntu am dom jappalé nga digëntu jambar parce que ñu dañuy séxal dara umbu ñu ñu ci télé bi yépp lu ñu gis
limu nekké assemblée ñu koy gis ak guerre bi ñepp ñu koy gis ak xéx bi dafa tak defal digam moy lima leena liñu metti tay rek moy li nga xamni teul ñu ko yëg biit lañ ko yëg ci guddii bo fekk na tedd na ba paré la ma aji mi wo mais su fekkone li aji lim fi mobiliser fi ci dëkk bi fi ak may mu ne mi ñu koy jappalé di ñëw tay ñepp liggéey su fekkone liggéey ñu tay mu nekk jour bo xamni kenn liggéey fi salle bi dina fess ba kenn ko tax waaw ngeen fi xaj sax kon kon duñ fi xaj lool la lay xamal ni la nak ñun nak diaspora bi jigeen ñu fi nekk ñun sonu nañu metti na ci ñun trop di xey di tak suñu tank di daw di dem di liggéey di daan suñu doole di yonne Sénégal di def lepp dafa metti ci ñun man fu nekk ni sama mbag yépp bay metti ak trousaille de fenn baaxul ci man xam nga ni metti na té nak buñu sañé gis jigeen jo xam da fay takku def une femme au palais c'est maintenant dañ ko wara jappé nekk ci ginnawam nak di daw di ziar ñi fi tew ñep di ziar suñu mama yu baax yi nga xamné dañ no sexy wax deug yalla mu doon temps bu gatt lool né bu gattul won tay ji wor na yalla wax ma len salle bi luñ taxé dé mais salle bu mak la ñu do paré lu nekk ak ngeen ko fi fekk mais dafa xat lool ni def le tout pour rek mu jaar yoon ni len di remercier bu baax parce que amuñu sen fay man ni ma kay wowe yeen ngi nan jigenu ki man dama kay wowe yaayu le président Ousmane Sonko parce que ba fa kay nek ni won da ñu fa baye won Sonko mo taxawon tak ko digam di xex te yag na xex du tay depuis Ablaye Wade ba tay ni ngi xex xex lañ ko xamé kon mom bu newe jigenu jambar bu melni da fay ñew sessu ni ñu duñu tok mu nek ay jigen du muy bañ ni kay bañ Sénégal di remercier wa suñu mama bu baax mama le président Ousmane Sonko parce que bu ñëwé pastef la ñëwal yéwé askan la ñëwal mom la ñëwal jigéen ñi nekk Sénégal yépp la ñëwal parce que ñun fi ñun jigéen ñi noy jur no am lu ñu nakati suñu réew lu ñu metti suñu réew bu ñu tuddé bu di dund nelaw ni ngi ci téléphone ni ngi ci laaj ni ngi xol information ni ngi xol Sénégal nak saba wala sa nga ba ci bi yok na doli bi yok na ndox bi baax na jël bi jël taxaru ni ngi ñu ñuy jox baaxul li nit ñi lu ñu wara bay mom lañu wara lek Sénégal insuffisance yi dafa bari fièvre nit ñangi fièvre amuñu hôpital yu baax hôpital yi ni kay jaay dama ne na jigeen ñi jitu goor ñi top suñu ginnaw dañuy sol tubay tak seen ko jitu goor ñi top suñu ginnaw ni li bëré Sénégal di ziaré suñu yaay suñu mam suñu tata la lion la lingère la tigresse moy madame Aïda Mbou ñu ngi lay ziaré bu baax baax e suñu kaddu nak kaddu la bo xamanteni kaddu xalé la mais maman suma yaay bu baax bi wax na ben wax bo xamanteni bi mu doon woy ci woyon woy bi mu ne dañu xalé yi dañu bëgg jibi ñun dañu bëgg ñibi man dama bëgg ñibi ñeneen ñi am nañu bëgg ñibi tay nak sénégalais la 100% franco sénégalais la nationalité la am ma ngi liggéey daan suma doole xalé bu ndaw bayyi réew Sénégal sama yaay suma pap sumay mat sumay xarit ci réew gënuma len mais fi nak luma fi gis ak luma bay suma ginaaw fokk na luma bay suma ginaaw ñuko yoré ñoko doxalun bu rafet motax man nek fi mais sinon Sénégal lu am Sénégal amul France lu am Sénégal amul Italie lu am Sénégal amul Espagne deug la ñu ngi ñaan lu gën ci ñun ci gën ci Sénégal inshallah rabbi jamma mu am parce que fu mu nekani buñu ko xoy buñuy xol luñuy xol ci Sénégal lu muy doxé ah mu ñuy yobbu fo xamanteni ñu ngi yobbu ci gouta Sénégal luñu xamul moy am Sénégal té warul am mais tay dañ fi mënul won baña tok mo tax ñu ñew ndax té la présidente Aïssatou Mboye ku mu yëkëti nga jokk ndax day jigen jo xamné ñun ñi di xalé and ak mom andu ñok ñom mom
parce que dañuy out luñu neex mais dañu and ak mom parce que dañu yeureum sénégalais dañu and ak mom parce que dañu gis ci mom rigueur gis ci mom ay compétences gis ci mom détermination gis ci mom gëm gëm bo xamné ñun dafa nekk ci ñun animé ñu ndax ay ndaw lañ bay ndaw yu am jom lañ ndaw yu ragal gatché lañ ndaw yu bëgg lu baax lañ ndaw yo xamanté lañ say ñu xeyé ñu muy xol naka lañuy def bu dëkk bi dox naka lañuy def bu joggé fi ñu nekk muy europe bi nga xamné doyal nañ fi sëkk té loolu liñu koy may moy and ak kilifa go xamné mu ngi jël nopam diñu ko dékk diñu bayyi xel ba paré luñu nekk mu nekk ci ak ñoom mo waral ñewam bi may contane bu baax nak xébu ñu ñi fi nekk ndax té ñi fi nekk ku leen xol xamné ay nit de principe lañ ndax té monsieur Diop ñu ngi lay remercier yow remerciement yépp ya ko mom ndax li nga wax légui dafa am solo wax sa mbax morom yakul ci sa mbax dara sa togay rafetna te maire bi ñun ñi di njabotam de daf ñuy wax tout temps né buñu bëggé am ak mom jamm nañ jital le président Ousmane Sonko ndok ci tégg kon ñun di njabotam dégg nañ ay cadeau ci ñu ci wax luñuy ñaan yalla rek moy comme mbir mi jappalanté la une femme au palais mu leen di xaar ci adhésion yi parce que une femme au palais dafa am benn programme bo xamné dafa am doolé parce que c'est un projet de développement ñun yamuñu rek ci politique ndax ñun dañu bëgg défar dañu bëgg ëlëk Sénégal ñu bok ci ñi nga xamantene dañuy boom di boom ndax lool lañu xawa jangal même bu nekké ñoruñu sax boom ak boom mi fim tonni dafa xew ñun nak suñu boom ak boom mi day doon ci lu baax ci tabax ci défar ci koy ci and and nawlé yërmeunté bëggeunté sopanté ta Yalla rek tax ñun loolu mo ñu yëkëti donc adhésion yi 100 francs rek la budé Sénégal sudé Europe bi 1 euro la lolu nak programme yi ci am c'est très clair yag nañ ci Europe bi comme ta awa nim ko waxé dekk way daf ñu jafé ñun jigen ñi dañu am problème dekk way ñun jigen ñi dañu am problème jang alphabétisation ñun jigen ñi dañu am problème formation ñun jigen ñi wa mu ngi nonu dañu am ci problème dafa bari te programme bi la présidente Aïssatou Mbodj indi ñu and kat mom lolu moy li nga xamné gëm na né buñ ci taxawé dinañu génné ci problème yi ñi nekk yépp parce que nak mbir mi du politique rek ñak tamit jariñu ci la bok te ki ci lolu lañ wo kon ñun on est derrière la présidente Aïssatou Mbodj c'est officiel man Adji Gueye une femme au palais je précise c'est officiel ñu ngi derrière la présidente Aïssatou Mbodj parce que amna ñu ko doon lam lamé amna amul adi limuy liggey pour kan la pour jambar ji la sama super liggey ko de présidente Aïssatou Mbodj di ñaan nak 2024 palais ba ni fa goor amé droit la fa jigen amé droit ndax jang mi buñ koy jang ci école goor day tok jigen day tok goor di jang jigen di jang kon ñun jigen ñi am nañ suñu wall am suñu xalaat am suñu expertise buñu mëna indi ci dëkk bi kon paré nañ pour outi palais ba 2024 jigen ju yeex rek jitu nañ la palais ba rek inshallah bu nexé yalla jangi ñu bu muy makké rek أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الكوردوناتور إبراهيم ديوب ماغي لي نيو جيل نيو بي nga xamni mom lay nuyu ñepp ñi nga xamni ño fi tew tek ko ci sa loxo ci turu la coalition la grande coalition de l'opposition significative muy la coalition yewé askan wi di la andil nuyu turu leader yépp dont ce leader Ousmane Sonko fi may waxé ak yow dafa nek ci layer yi le porte-parole des layers ñu ngi koy recevoir malheureusement leader yépp indisponible ñenn ñi tukki comme man mais dem na parce que toujours non lay def bu yewi askan bi bare taxaw di nuyu ci turu le président sortant Khalifa Sall té dina ci délu ci parce que amal gam yi dafa bari té may nga ñu opportunité pour que ñu léral yewi askan bi koy xaar mu tass yow yaay tass bala yewi askan bi di tass di nuyu ci turu Habib Sy bi nga xamni moy
le président nouveau élu de Yépi Askanou, nous sommes d'accord avec nous, par consensus, à l'unanimité. Falco, qui est le président de Yépi Askanou. Nous sommes ci touru cheikh youm bi nga xamni mo nekkal seigne mustapha si al maktoum populaire di la nuyu ci touru dieccé fall di la nuyu ci touru cheikh tidiane dieye di la nuyu ci touru mamadou lamine janté syndicaliste di la nuyu ci touru malik gakou di la nuyu ci touru maymouna bousso di la nuyu ci touru leader yi nga xamni au fur et à mesure sama xel dina ci nek mais ñom ñep mën na la wax ci sen tour parce que légitimité yewé askan wi duma ko bañé kenn dina di ma wax le coordinateur Ibrahima Diop wax la ne la ma ngi and ak Aji Ngundju Diop bi nga xam sen yaay mom nak parfois soy wax ci parti bamu yag da ngay wax tam ci sa bop comme disait dof ba té qui n'est pas si fou que ça parce que daf né balama wayeti kenn damay way sans bop donc il n'est pas si fou que ça ngundju suñu mam yi ño jakarlo won keur ba ñun ñu juddu non lañu dëkke abambe donc du xamé ni di niyo tam sama dom sama xarit mësul politique té lolu moy sen démarche yeen wayé askan wi bo gissé au début ñu doon len togné nan anti système c'est que dafa am lu fi nek ngeen bëggoon mu joggé fi té ki nga xamni mo len jité bi mu démé ba ci biir xamna ni li fi nekkon lepp bonul amna ñu bon identifier nañ leen mais amna ñu baax c'est ce qu'on appelle l'esprit critique un esprit objectif capable de discernement xam lan mo baax ak lan mo bonul xam la le vrai du faux xam nokoy discerner mo dal adigué mu nek sama dom nek sama xarit nek tam sama cible pourquoi parce que dama am rôle ci Sénégal tay pour renforcer le leadership féminin pour wax jeune yi ni len yoon bi mo bax pour wan jeune yi lan moy abnégation ben jeune daf ma songu ci gamu gi tiwawa dal de ni man buma magge ni yow la bëgg mel sonko ni ko benn mo rek la lay diggal moy constance parce que nek ci dara xeyna yomb na mais constance bi moy problème motax ki wax ñet sey diouf dama la ci dolel benen sey moy constance wa mëno nek patriote amulo constance surtout ci li ñu nek man mi ma ngi ci 10 ans d'opposition té suma len netlé fi ma jaar ak liñ ma def ak lima ak opportunité yi mo meunona am té djelumako nga xamné constance dafa am solo parce que c'est pas évident Sénégal néxul on te bloque partout nga yor sa njabot yor sa mbolo wara def li nga wara def fi kor wara nek ci sa famille di fa tek li nga fi wara tekki ñu bari la la route lepp lo yaakar ñu nanguko parce que tu es de l'opposition di gérer une gestion manichéenne les bons d'un côté parce que ño nek ak Macky Sall té nga xam leen djudulu leen les mauvais mu lèr la né du ño nek les mauvais de l'autre côté ñoñu amuñu droit à rien amuñu même droit à la parole lolu moy gestion au Sénégal aujourd'hui ma and ak Binta Ndiaye mom tam sama dom la yaayam sama mag la mais moma bot mom suko aji di firé dama koy wax niko bimu amé 15 minutes ci adina lañ mako may yaayam dafa wëssine rek ñu né ma é xalé bi gennal ki da fay doora accoucher yaayam ni ma mayna la ko wa ba tay mu dem baye ma ak mom moy taawam leppam ci man la nek donc ma nuyu leen bu baaxa baax wa une femme au palais ma ngi leen di nuyu le li ngeer di nuyu cadre yi fi nek yépp suma nuyo ba paré nak bala may dugg ci Sénégal ak ay problème ma def toujours la dof ba waxon rek bala may wayeti kenn way sama bop Ibrahima Diop moy coordinateuru yewi askan wi tay initiative bi mu def ko pour yeen def ko pour man parce que bima waxé le président Habib Sy yonné ko visuel bi mu yonné Habib était tellement content
nima ay def man ko wa mën ma tous les leaders fuñu dem dañu wara def li parce que ñun au niveau du Sénégal ñu ngi dajalé yewi askan wi à la base. Actuellement Habib est en train de recenser dans chaque commune, dans chaque département yewi askan wi lu mu am luy potentialité parce que gis nga fi mu nek yewi askan wi dafa ubbé ku ci yenen force yewi askan wi dafa def plateforme au-delà de la coalition yewi askan wi dañuy def benen unité organique. Si je suis venu à ma mère, mais je disais que je suis venu à mon père, c'est Ibrahima Diop. Nous avons dit que nous avons entendu le Coran. Qui ne l'a pas entendu, personne ne l'a pas entendu. Si Sénégal, imam lay doon. Sama nijaay la, aji motax man la, bama né yaay né ko mam. Parce que ñaari sœur la, yu bokk nday ak baye. Ñaari sœur yoyu, muy Kounaali ak Kumbano. Kumba Nord mo jur aram ngey kan mi jur jaretu jak mi jur sama yaay Aminta Sarr Kounaali mo jur jalakam bi nga xamne moy imam an Salim Diop keur ma Moussa Diop jur Fari Diop mo jur Cheikh Fari Diop mi ko jur war ngeena xam aussi ni yewi askan bi ci principe lay dox principe bobu mo indi ñuy def plateforme leg leg ñu dem ba ci yag Sénégal am ñu générosité bi ñu am dal ni diw neena day ñew ci opposition mais bu len ko accepter ñun nekku ñu fofu ñun fi ñu nek moy doole boole suñu doole té loolu la gis fi parce que yeen diaspora bi ñi ngeen di bëgg gisul leen sax principe tax ngeen bëgg leen gëm Sénégal tax ngeen bëgg leen combat bi ñuy def mo tax ngeen bëgg leen leg leg bu ñu né diw leg leg man mi nit da fay laaj sama numéro dalde ni ma man dama la bëgg ndax sa telle intervention mais sénégalais loolu lañ ko xamal serigne ci kuy wax naan barke seydi hadj malik gisso seydi hadj malik sa papa sa xamuko kuy wax naan barke serigne touba gisso serigne touba sa papa sa xamuko mais sen ngarmi gi ngeen ngarmi malgré sen choono bi ak li ngeen di apporter sénégal ak li ngeen di liguey sénégal loolu motax ngeen di def loolu di gis gëm ay leader yo xamne gisulen len sax kon valeur yoyu ngeen am mom mom valeur yoyu le leader yi japp té président Habib mo ngi len di nuyu bu baakha baax président Sonko mo ngi len di nuyu buñ né super leader daf né mom moy prince héritier waaw parce que le 28 novembre biñu ñëwé meeting Bambay daf né dañu bayyi Lyon parce que dafa am un lion qui dort là-bas donc bu kenn waxati sama yaay Lyon lolu moko top nañ ko wax leader lolu boko top ba super leader ñëw. C'est-à-dire que nous avons des relations de famille. Relations de famille, c'est ce que nous avons dans notre bir. Tout comme nous avons dit Askan, nous avons tout ce qu'on a cultivé dans notre bir. Les militants sont les mêmes, les leaders sont les mêmes. Vous êtes où vous êtes, il faut que vous ayez une symbiose. C'est ce qui peut vous relever le défi. Il n'y a pas d'opposition, personne ne conteste. Nous allons porter le combat. Parce que vous avez une influence très sur ce qui est au Sénégal. Non seulement le message que vous apportez, comme vous savez que vous avez eu des familles, il y a des milliers de familles, mais nous avons eu des gens qui ont été. Et la technologie qui a développé, vous savez, ce que vous voulez régler, vous pouvez le régler. Donc nous comptons beaucoup sur vous. La diaspora aujourd'hui, c'est la vie du Sénégal, mais aussi la vie de la vie de l'Askar. Nous ne parlons pas beaucoup, et nous parlons de la diaspora. Même sur notre conférence de presse, ma propre grande sœur, moi, je vous parle de Wolof. Diaspora bi nenañ wolof lañu bëgg ngeen diko wax mais on avait l'habitude effectivement de faire des discours avant propos en français ak yoy yépp parce que presse étrangère bi toujours lay ñew donc man ma ngi leen di gëreum bu baax tonton Ibrahima ma ngi lay gëreum di la sante di ñaan yalla yalna yalla aboutirul suñu xex. Je pense que li ngeen def woné def preuve de générosité muy générosité bi nek yewi askan bi yakarna moy tax combat bi aboutir nenañ dafa am keneen benen audience kon nak na arrêté kon nak c'est que soumay waxti Sénégal ak engagement bi nga xamné man lér na mané ma ci gëna toutilé mais ñako am ma bayi lér gannaaw mom lañu am ñew fekk lén ngeen am même engagement bobu liggéey ngeen joggé togaay bi ngeen tok mënu lén mais Sénégal mo len ko jara kon nak damay ñaan yalla yalla na len yalla fay amen.
ngeen japp ni yewi askan yu dal fañu nek yeen lañ fa nekkal té rassurer len parce que dañ kuñu wax dal len ni ñepp lool lañuy wax ñepp waxuñu lool so gisé na Khalifa Sall ñu gërné ko contesté wuñ ko mais dañu am ben ligne directrice dañu ñu kenn ku nekk ku am ambition do jité motax Habib Sy amul ambition motax Sonko du jité yewi askan Khalifa Sall dotul jité yewi askan Aïdou Mbodj du jité yewi askan Dété Fall du jité yewi askan Mali Gakou du jité yewi askan Habib Sy moko jité parce que Habib Sy mom amul ben ambition té définir nako quant à ñun nak multitude de candidature bi ci mbolo lañ nek stratégie yewi askan wi la té duma ko wax mais ñun dès le début bañu défé suñu protocole d'accord lañu régler problème présidentiel bi té dañuy dem nga jottu wax fi ni ak li nek ci yewi askan wi dal na suñu xel té lool may won ni tamit djoumuñu mais lén rek la lén ko ko yobanté ci leader yi mais surtout suñu kilifa gi mom lay woné suñu kilifa gi ñun jang nañ bu ñëw suñu kay ñu continuer di jang dëg ngir Sénégal mais ngir Yalla ñun li ñëw di ñaan li ngeen samonté ak askan wi ngeen respecté ko parce que man mi yag na ci politique avant may am tamay 18 ans ñun jëni dañ engagé ko té bëss bo lañ jëlé réew mi xamna ñu bisi bu dina yow Comme vous le savez, je me suis déplacée en Europe en général, mais plus particulièrement en Suisse, tout simplement parce que j'ai constaté la neutralité de la Suisse, mais aussi le fait de défendre sa souveraineté financière. Et c'est cette souveraineté financière qui lui permet aujourd'hui d'être libre par rapport à une certaine opinion, d'être libre par rapport à une certaine domestication d'une opinion, qui se devait d'être libre et engagé par rapport aux bonnes causes, aux nobles causes. Donc la Suisse est reconnue pour cela et ça me plaît, effectivement, puisque j'ai de la famille ici, mais particulièrement un neveu qui s'est engagé très tôt à mes côtés, en me soutenant, en m'encourageant, en pensant surtout à ma sécurité. Et cette sécurité, je pense que c'est issu de sa formation, mais aussi de son environnement ici en au niveau de la Suisse. Donc, comme vous le savez, c'est un pays de partenariat, c'est un pays de convergence, c'est un pays d'échange. Et comme vous le savez, moi j'ai eu l'occasion d'être très proche de Madame Sylvie Berset, qui était ambassadeur de la Suisse au Sénégal.
Et quand j'ai su que la Suisse n'appartenait même pas à l'Union européenne, cela a augmenté mon admiration vis-à-vis de ce beau pays, véritablement, qui m'a ébloui et je n'ai pas regretté ce déplacement. Ça m'a écarté de goudou parce que je me fais fête que tout le monde sait que je fête ma propre. Je suis shérif et tonton. Parce que ce que je veux dire, c'est que nous sommes en train de faire la taille. Je vais profiter de l'occasion de faire des parents. Officiellement, nommé comme parents, mouvement de soutien à une femme au palais Sémène. Tout en sachant que nous avons un mouvement. Parce que le congrès est venu, ni ma ci nekké kilifa ci sama taxaway ci xalé yi mom non la gissé kilifté fum ci taxaway parce que wajuram da ko liggéey ba paré ñu ñew deugal ko kon khadim ñun ñoko soxla ba paré nak muy jeune ñu giss ci mom ni julit la ndax ñun ñit ay julit lañ diiné ji daf ñu ñor te principe diiné yi ñu giss ci la présidente Aissatou Mbour mo gëna tax ñu and ak mom xam nga des fois Sénégal def politique dafa metti parce que bo dé julit nit ku ragal yalla boy andat politique rek dañ nan tout temps politique baxul dafa salte politique mais le prophète alayhi salatu wassalam koku mo dak politique ñep ndax la politique c'est quoi c'est l'art de gérer la société xam adina te teyal nit ñi dalal nit ñi jappelé nit ñi waxat nit ñi te lolu yeb jikko yo xamne dañ ko gis machallah ci soxna ci muy nit ku meuna fonku nit ku bëgg nit ku respecté nit ku am kaddu man ay qualité motax ma naw ko ay qualité yit motax ma baye sama njabo top ndax te man dara ñoruma luddul yalla yalla ko tama ñor lepp luy ñew tu jégeewul ci yalla sax yalla buma ex ci man bëggu donc ki buma andé ak mom la présidente Aissatou Mbour c'est par ses qualités yi nga xamanteni dama ko gis ci jigen ñu bax yi parce que nak yalla mo dolé la ruse féminine yalla mo bind jigen ba paré dolé ko am reuy lu mu def ci mom qualité yoy nak yu bare nga ci soxna ci donc Sénégal tay buñu amé ki chance lay don ci mom mi nak yalla def ah lima ko né dama ko na mam jaretu jaar amna lu mu gisone ci ah Badara Diouf dafa cédé né Abdou ba mu juddo la doon kilifa ne Abdou Diouf ba mu juddo la doon kilifa waye mom mi ba mu juddo rek la doon kilifa bayam da ko daan boole kamero alquran ci juma je ci bambe moko liggey fi na moy fay imam ya di fay quran te moko liggey ak école ya armée li lepp ba mu juddo ba legui lum fi man rek ci rewma la ko def ak ci nit am ci dara lum denjal bopam xam nga bo wo dedi nak te bëgg lu baax té gis kuy def lu baax soko mënutu ñaanal ko yalla mu yag fa ndax jëre jëf yalla sax bëgg na ko lolo tax ba ma am fuma ko té motax ma fonk ko j'ai entamé un séjour que je ne suis pas prêt d'oublier parce que je ne parle même pas du cadre familial du cadre convivial mais comme vous le savez nous avons reçu avec Khadim véritablement des religieux qui nous renvoient une image de sagesse, des religieux qui savent ce qui se passe au pays, qui ne sont pas isolés de l'actualité, mais qui ont bien accueilli ma délégation. Parce qu'au-delà aussi de ma propre personne, il y a Mme Ali Fatou Gueye qui dirige le mouvement Une femme au palais, et je pense que c'est un concept qui a été vendu ici, mais accepté par non seulement les religieux, mais les jeunes qui étaient présents à la rencontre. Comme vous le savez, ma porte d'entrée dans cette famille demeure ma grande sœur Adiangou Ndiou Diop, et c'est une dame qui est membre fondatrice de l'Alliance nationale pour la démocratie, qui m'a vu naître, qui m'a accompagnée, qui a toujours été une voisine depuis Bambé jusqu'à présent. Tout le monde connaît nos relations, donc je pense que je n'ai pas été étrangère à ça et je pense que l'environnement m'était très favorable et je ne suis pas prête d'oublier ce séjour véritablement qui fait partie des séjours qui m'ont marqué dans ma carrière politique. Jigen ñi sax lepp lu ñu duggul lu baax. Sénégal même conférence islamique yi réussir jigen ñi kay organiser. Té daana dégg Seigne Mansour wax ni jigen ñi ñoy krik. Krik bi waaw. Té ñun ci baan lañu dégg. Suñu baané rek ñom ñi krik. Dëgg la. Waaw loolu kon xam nga lu am solo la. Dëgg la. Motax nak li nga wax lu am solo la jigen mom
am ya amna gënd ga nga xamné war na mëna nek ci palais présidentiel du ko def nga ndax dox deug bobu légui ñi ngi essayer ko yi dara doxagul waaw doxagul waaw kon nak wax deug li ngeen wax lu yell la lu normal la waaw wax deug ñi ngi lay suivre la nga wax ni nek nga mère falé ci bande yoy yeb deug la tamit ba ngay def sa soutenir sa thèse waaw alhamdullilah lolu ak tamit fani gis na ni def la ni guerre pour la waaw waaw lolu tam sama fami waaw mboy waaw kon xam nga kon waaw lolu 2020 la soutenir voilà lolu nit ku jambaara rek mo def j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ce qui va se passer par rapport aux perspectives parce que comme vous le savez Khadim est un homme très ouvert. Il a tissé des relations avec des fonctionnaires internationaux, bien sûr, à la retraite. Il a tissé des relations avec des religieux, avec des groupements de femmes, avec des jeunes comme lui. Et je pense qu'il est en train de mener un travail formidable, un travail de fourmi qui va aider à massifier le parti. Donc je suis obligée de revenir, évidemment, et d'élargir la base, de partager le programme. Parce que comme vous le savez, le programme est à partager et on est en train de préparer le congrès du parti au mois de mai. Et je pense que même si je ne peux pas venir d'ici au congrès, il y aura une délégation de Genève qui sera bien sûr dirigée par Khadim. Et j'ai bon espoir que toutes les composantes feront partie de la délégation. Bu fekke lu gënd ci yow la yalla nako yalla jox amin bi ko amé yalla nako mur lo bokk ak sa ndjabo amin ak sa amdi jam Je remercie toutes les personnes qui sont là parce que c'est un jour de samedi, c'est pas facile. Et quand même, vous avez donné la peine de venir assister à cette première rencontre à Grigny avec le docteur Aydemboy, notre superlinguer. Et je remercie aussi la mairie de Grigny de nous avoir prêté cette salle très rapidement, en si peu de temps. Et en plus, il y a l'équipe qui est là, présente, pour accueillir Dr Aydemboy. Et c'est avec un grand plaisir que je ne trouve même pas mes mots, parce que aujourd'hui c'est un grand événement. On a toujours fait des réunions sans nos leaders. Nous avons fait beaucoup de réunions ici et il n'y avait aucune ou aucun représentant. Aujourd'hui, nous avons Madame Dr Aydemboy qui est ici avec nous, qui représente beaucoup, moi je ne dis pas seulement pour le Sénégal, mais qui représente beaucoup pour l'Afrique. Et ça fait pas longtemps, le 4 février déjà, elle a été élue superlinguaire et ça veut dire beaucoup. Et dans nos écoles sénégalaises, dans nos écoles africaines, ce sont des choses qu'on doit enseigner. Parce que j'ai l'habitude de dire, un arbre sans racines ne peut pas pousser, ne peut pas grandir. Et ça, ce sont nos racines. Ça, c'est vraiment, c'est notre bibliothèque. Ça, c'est un héritage. Et moi, là, à chaque fois que je parle d'elle, je suis très contente parce qu'on me dit, ah, c'est une grande dame, c'est quelqu'un qu'on adore, c'est une personne que j'aime bien. J'ai jamais entendu le contraire. Et aujourd'hui, elle est là devant vous.
ici à Grigny. Voilà, donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons ici. Grigny est une ville qui compte énormément de nationalités et à Grigny, le maire de Grigny est président des associations, des villes et régions pour la paix. Et donc tout ce qui concourt à la paix, tout ce qui permet de faire du lien entre les pays est notre combat de tous les jours. Et déjà, ça commence par Grigny, où on doit faire cohabiter de nombreuses nationalités et travailler au vivre ensemble. Donc voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons cet après-midi. Soyez les bienvenus. Soyez merci la beaucoup. Bienvenue, madame. Merci, madame. Merci. Merci. Merci, madame. Je suis malien d'origine aussi, de Kaye. Il est contigu à Bakel, à Tambacounda et tout le reste, et Kidira. Donc, de par ça, je connais un tout petit peu aussi le bassin du fleuve Sénégal, qui est composé de nos trois pays, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Donc, on partage beaucoup de choses en commun. D'ailleurs, on était tout le temps ensemble. Et effectivement, je joins ma voix à Evelyne Lebrun, la première jointe, pour souhaiter la bienvenue à Madame la Ministre. La ville de Grigny, c'est à peu près 90 nationalités différentes. Donc, une ville effectivement monde, où tout le monde s'y retrouve, où tout le monde serre le coude et tout le monde fait vivre cette valeur que nous partageons ici. Donc, Madame la Ministre, merci d'être venue. Et n'hésitez pas, Grigny, c'est aussi désormais votre famille. Oui, bien sûr. Donc, n'hésitez pas de venir nous voir à chaque fois que c'est possible. Et puis on reste effectivement assez disponible pour accompagner toute initiative qui va effectivement vers le progrès humain et surtout qui va dans les valeurs que j'ai vues ici tracées et qui nous parlent beaucoup. Donc nous restons à votre entière disposition pour pouvoir accompagner tout ce processus-là. Merci. Voilà, merci. Merci, monsieur Kamara. Je pense que là, les gens ont besoin de savoir d'abord le motif de mon déplacement et puis en savoir plus sur le parti que je dirige, qui s'appelle l'Alliance nationale pour la démocratie. C'est en wolof and sahal ligue, Alliance A comme Alliance nationale, N comme nationale, D comme démocratie. Ce qui fait AND et en wolof on dit AND, comme si on convoquait la compagnie, l'association, aller ensemble. Et maintenant sahal ligue, tout simplement parce que j'ai travaillé pour mon pays. J'ai travaillé à plusieurs niveaux. Peut-être le mois est haïssable, mais on est obligé, au moment où on est à l'heure du changement, au moment où nous avons décidé, au niveau de notre parti, d'aller vers la conquête des suffrages des Sénégalais, de nous présenter, comme nous l'indique d'ailleurs notre religion, l'islam, qui voudrait qu'on réussisse, qu'on réunisse cinq qualités au moins, avant de se présenter devant ses homologues, avant de se présenter devant ses pères, à savoir appartenir à une grande famille identifiée, connue, reconnue dans son pays. C'est pourquoi nous avons défini par cette brochure tout ce qui nous lie aux différentes personnalités du Sénégal. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je l'avoue devant vous, mesdames, messieurs. Je n'ai jamais volé. Il ne m'est jamais arrivé de penser à utiliser des ressources publiques pour ma propre personne. Ça, c'est le troisième niveau. On nous dit aussi qu'il faudrait avoir un certain âge pour dépasser certaines filouteries, c'est-à-dire ne pas se faire reprocher certaines choses. Je ne l'ai jamais fait, même quand j'étais jeune. À plus forte raison aujourd'hui que j'ai dépassé la soixantaine. On nous dit aussi qu'il faudrait effectivement avoir la connaissance de son pays, connaître son pays. J'ai fait 7 fois le tour du Sénégal. J'ai été ministre durant tout le temps que l'actuel président est resté premier ministre. Et il me connaît. Je ne dis pas que j'ai pris sa main pour lui montrer certaines choses. Mais en tout cas, il a subi par ma personne certaines initiations. Donc, je pense que je peux m'arrêter là par rapport à la connaissance. Je suis venue vers vous
mesdames, messieurs de la diaspora, avant de parler à mon concitoyen, de vous remercier, mesdames, messieurs les autorités de la mairie de Grigny, une commune qui accueille diverses nationalités. C'est extrêmement important. C'est important pour la commune elle-même, mais c'est important pour l'image de la France. Dans cette France où tout le monde a contribué à sa construction, dans cette France où tout le monde a consenti des efforts pour la construction de la France. Donc je voudrais, mesdames, messieurs, vous saluer au nom de ce parti que je viens de vous présenter. Je voudrais parler un peu de notre programme. D'abord, je voudrais saluer les amis de mon fils Ousmane Sonko, les membres de PASTEF qui sont là. Madame, je vous remercie d'être venus. Vous êtes venus au nom de PASTEF, mais vous êtes venus aussi au nom de Yewi Askanbi. Parce que l'Alliance nationale pour la démocratie est membre fondatrice de Yewi Askanbi. Je couvre Yewi Askanbi parce qu'on est à l'heure des ensembles. Une seule personne ne peut plus rien faire. Une seule entité ne peut plus rien faire. Or, les Sénégalais vivent des heures sombres. Les Sénégalais vivent des heures sombres. Le Sénégal est au bord du gouffre par ses administrations, par ceux qui nous gouvernent. Ceux qui nous gouvernent font ce qu'elles appellent la règle de Pareto. La règle de Pareto, c'est que 20% de personnes utilisent 80% de ressources, alors que 80% de personnes ne bénéficient que de 20% de ressources. Imaginez le tableau. Je n'en veux pour preuve que les élections législatives. Pendant les élections législatives, on a éliminé notre liste principale de l'opposition, dirigée par Ousmane Sonko, et je le suivais directement parce que j'étais deuxième de cette liste. Imaginez que nous sommes à 82-80 alors que seuls les suppléants sont partis aux élections. Des suppléants inconnus du public. Mais Yewi Askanbi s'en est bien tiré. Donc je peux oser qu'aujourd'hui, ce qui accapare les ressources du Sénégal ne représente même pas 20%. Je peux l'affirmer de par ces élections. Pourtant, ce sont ces 20% qui n'ont pas permis, avec leur chef, au reste de la population de vivre décemment, d'accéder au logement, d'accéder à l'eau potable, d'accéder à une éducation de qualité pour leurs enfants, d'accéder à une bonne éducation. Nous n'avons pas un bon système éducatif parce que les professeurs et les instituteurs sont tout le temps en grève. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés, ils ont des revendications, ils sont dans de mauvaises conditions de travail. Les groupes vulnérables ne sont pas pris en charge, qui ont des besoins spécifiques. Ne sont pas pris en charge. Il nous manque l'autonomisation des femmes. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit regarder ce pays aller dans le gouffre? Non. Nous le refusons. Et nous allons nous battre. Et nous voudrions, chers concitoyens de la diaspora, nous battre avec vous. Que vous soyez informés que rien ne va au Sénégal. Parce que vous avez aussi une responsabilité d'aller avec nous pour redresser la situation. Vous avez une responsabilité de faire perdurer, parce que quand même vous représentez le Sénégal. Et à un certain moment, on loue cette diplomatie du Sénégal, qui est un petit pays, mais à grande démocratie. On l'a toujours dit. Aujourd'hui, on est en train de bafouiller la démocratie. Aujourd'hui, on est en train de domestiquer la justice. Aujourd'hui, le monsieur qui est à la tête de ce pays choisit ses adversaires, ne veut pas compétir avec tout le monde. Dès qu'on commence à élever la voix, il vous met en prison. C'est tout simplement cela, pour une question de justice et d'équité. Nous ne l'acceptons pas. Et nous allons tout vous expliquer, pour que vous aussi, pour que vous ne puissiez pas accepter ce qui se passe au Sénégal. Nous attendons des ressources supplémentaires, parce qu'on nous annonce le pétrole et le gaz. Mais est-ce que ce pétrole et ce gaz-là va obéir à cette même répartition de 20% pour la minorité et
les 80% qui vont trinquer avec seulement 20% des ressources. Non. C'est pourquoi nous sommes venus vers vous. Pour vous dire que nous irons à la conquête des suffrages des Sénégalais. Qu'en 2024, nous espérons l'alternative. L'alternative, c'est comme dit Hadji avec son concept, une femme au palais. Une femme qui va veiller au bonheur de la famille. Une femme qui va prendre en charge les besoins des groupes vulnérables. Une femme qui va aider ses sœurs à s'autonomiser. Une femme qui va effectivement encadrer les ménages pour que les ménages ne souffrent plus, ni du paiement de loyer, pour que les ménages ne souffrent plus du manque d'électricité, pour que les ménages ne souffrent plus d'un manque d'une faible alimentation. Alors, mesdames, messieurs, je suis à votre écoute. C'est pourquoi je voudrais introduire, pour laisser à la salle la parole, de poser les questions qu'elle souhaite poser. Merci beaucoup. Jigéni walum mo jétaku jigéni walum mo mama ma dak damel rendi téñ téré waro nelaw imigré nak paré né ngén wané sen doolé won nañu né jigéen ñi nek ci dëkk bi ñu ngi en activité parce que jigéen ñi tay bo xol ño fi ëpp goor ni lolu mënu ñu ko baña wax lolu tax ñu né une femme au palais et c'est maintenant. Ñu né jotna ñu duggal jigen ci palais ba ndax yalla boole nañu kuñ fa wara duggal muy la présidente Aïssatou Mbodj di jigen bo xamantene ma sha Allah limu indi ci politique bi kenn ku nekk ci ñun xam nako parce que ñu ngi xol actualité bi Sénégal gis nañ ne jigen yi nga xamne ñom la andalon ñepp di liggéey daw nañ outil ngor gi elle est la seule bu resté ci opposition bi jakarlo goor ñi di len dimbali di len genn ci yenn situation yi donc kon tay ñun jigen ñi jotna aussi ñu xamne on est majoritaire la loi du nombre ñun jigen ñi kenn ëpp ñu ño ëpp goor ñi ku falu ño la fal kon jotna tay ñu nangu liñu mom taxaw outil palais ba liñu wara doxal ñu doxal ko ta xamne leppay jak ndax palais ba defena sax ñokoy doxal waye nak dañu bëgg mu officiel mouvement bi nak une femme au palais et c'est maintenant dafa nek mouvement bo xamne c'est un projet de développement. Dañu bëgg jigéen ñi mënal seen bop am une assise financière solide et personnelle sa yu ñu bëggé fajj rek ubbi seen pochette fajj té loolu liñ ci gëna amal ité moy ñu nekk benn déjà ñun jigéen ñëpp ñu and nekk benn bolo and nawlé bayyanté xel yërëmënté sopanté jël liñu mom nak fokatiko parce que gëwuma né kenn dinañu ko jox faaw ñu fokatiko taxawal ko outil fi ñu jëm. Ñun nak paré nañ and saxal liguey paré na depuis 2014 ñu ngi wajjal li xeyñu rek né dañuy dem palé ki c'est un projet bo xamné 2014 batay ñu ngi ci diko liguey dafa jot nak ñu and ko ak diaspora bi parce que diaspora bi kenn du yeen tay ku taxaw diaspora bi tax nga taxaw parce que diaspora bi yalla daf ñu dimbali ñu am xelu xalaat ndax ku wét xalaat tax ku xalaat rek xam li xew parce que Sénégal liñuy dund metti na te ñun rek nak ñoo ci mëna génné suñu bop kenn mënu ñu ci génné liñu ci génné nak lenn dongu la essayé ngeen ñenti goor ben doxul jigen la présidente Aïssatou Mbodj elle est là elle est avec nous elle a toujours été avec nous maintenant c'est le moment ou jamais tay bu ñu taxawé programme biñu andal jigen ñi dinañ am seen dëkk waayi parce que projet une femme au palais programme deuk way jigen mo ci jitu buñu wesso ci deuk way dinañ am suñu ay mutuel yo xamantene taux bi c'est à zéro buñu paré ci lolu dinañ am njang mu yok ci ñun parce que jigen dafa wara am xel mu dal pour njangam yok jigen buñ ko fitnalé rek xelam day teju te jigen ni ñun ñep fitnal nañ ñu xam nga goor ñi mom dañoo bari pexé des fois dinañ xam fiñuy jaar ba duggal ñu ci yenn contrainte yi mais fim tolni nak ñepp ayew wa parce que nak bo gisé jambar jo xamné dafa taxaw woné bopam deugal bopam ragalul comme lim wax légui liñu fait la force kenn rek mënul dem ligéy bi mo tollu fo xamné bop sa bop yobotul kenn fenn bolé xam xam yi bolé xalaati bolé yépp andando nek ben donc ñun on est derrière la présidente Aïssatou Mbodj le mouvement une femme au palais et c'est maintenant on est motivé déterminé et on ira jusqu'au bout inshallah ma ngi len di sante yeen ñep di len gëreum di contane bu baax ci sen téway
On est beaucoup de femmes ici, mères de famille. On a une double culture, hein. On a nos enfants qu'on éduque ici, mais on a aussi notre pays d'origine. Et comment est-ce qu'on peut faire la transmission à nos enfants pour pouvoir aussi avoir un regard sur l'Afrique qui s'ouvre, l'Afrique de demain? Et donc, j'accompagne un collectif de femmes qui souhaitent aujourd'hui investir au Sénégal et investir d'une manière différente, c'est-à-dire d'une manière d'être des bailleurs sociaux. Puisque quand ici on est en activité, on ne peut retourner au Sénégal à peu près 3 semaines, 1 mois, on est encore en activité professionnelle dans le pays. Et comment est-ce qu'on peut investir au Sénégal en sachant que tous ceux qui envisagent d'investir, très souvent, se pose la question de qui va habiter dans le logement. Donc, ce serait peut-être d'avoir une vision différente, puisque l'accès au logement au Sénégal et partout dans le monde peut être quelque chose de compliqué pour les personnes de revenus modestes. C'est que la diaspora contribue, par leur investissement intelligent, à faire partie des bailleurs aussi qui permettent de proposer un logement aux familles sénégalaises et en contrepartie d'avoir un investissement qui est rentable pour chacun d'entre nous. Voilà. Je pense que le moment est venu. Devant nous, on a une grande dame. Donc on doit être tous derrière cette dame pour reprendre le Sénégal. Parce que là, en ce moment où nous vous parlons, c'est critique. C'est dommage. On est des femmes, on a des larmes aux yeux. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit plus la réalité. Il est temps de donner le pouvoir à la grande dame. C'est le moment et pourquoi pas. Parce qu'avec cette grande dame, j'ai la certaine conviction qu'il y aura beaucoup de changements. On ne dit pas que les hommes, vous n'êtes pas là, mais il est temps de se mettre un peu à l'écart. Parce que ça fait trop longtemps qu'on vous a donné le pays à gérer, mais malheureusement, ça ne va pas. Donc, donnez la grande dame, le Sénégal, et elle va redresser le Sénégal. Pour cette fois-ci, s'il vous plaît, je vous le demande solennellement, laissez la grande dame prendre le pays. Et je vous remercie, et on sera derrière vous. Merci. D'abord, qui sommes Rakkebi, Aïssatou Mbodj, l'honorable député, docteur Aïssatou Mbodj, di wax ne que tay ji buñu amé yakar ci mom c'est que du nène parce que walo la té walo dañu nan amna jambar goor am jambar jigen yi nak ñoo ëpp ñepp xam nañu ay mamam ndata yalla ñi doon xex ak tubab yi ñepp xam nañu bësu talata ndeer kon nak tay ji bu taxawé comme jambar bëgg ñu tek destiné suñu Sénégal bi ci ay loxom du lo xamé né li daf ko jomb et que sama préoccupation c'était au niveau de cette coalition là est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de choisir un candidat pour que les voix se regroupent pour qu'on ait une nette victoire sur ce pouvoir là qui est en place dégager l'aide ben yon. Mais nak comme bobu batay ñi ngi tek ay goor rek té li ñu wax ci goor ñi mom duma ci déllu waat way nañu tek jigen way parce que nak ki nek fi en face de ñun jigen la bu mën goor man koku man woor na ma man boj Djali Kala tudd sœur Sonko kon sa dom la bo démé nga wax ko gis na sa sœur man may représenter fi les femmes des leçon may sen représentant man de yag na gis ay dem bo beug ko wax na ko Aïssata ma fi tewé tay Aïssata mo tax moma yegal sa ñew ci coalition biñ defon ñu doon demalanté fu ne dem nañ fa lu ne def nañ ko affaire ay dem bo neex ma lol mais wa sonko la dina bayima ci sonko rek mais beug na ko sama biir xol ñu leen di la ñaanal rek nak li nga bëgg yal nañ ci jot té mu doon sa ndiglay ku nekk li nga bëgg ci sa biir xol yow ya ka xam yal na la ko yalla yombalal mais ñu leen di ñaanal rek seen and bi ak sonko surtout man mu doon and bu dëgg man def ma Aïssata wo dina fa ñew mu doon dé ci fal bu ñewon tay France mu woté dina fa tew parce que dama gis seen and mu nekk and bu dëgg and bu neex billahi suma leen gisee man damay contane franchement
nexna ci xol ngeen continuer ni ngeen mel and len su fekente ne yalla def na ba Sénégal ngeen djel ko ci sen loxo Macky Sall wallahi dina neex lool lañuy ñaan bëgg nañ ko suba yalla dogal le do am yalla nako yalla dogal hormis des associations de politique on est des femmes fu femme taxaw rek war nañ fa taxaw liñ fi tuddu yépp liñu fi ñak yépp ak liñu fi am yépp buñu xexé rek liñu ñak dinañ ko am ci katunu yalla yalla nañ ci yalla dimbalé ñu am ko mu jitt ñu ñum ñëpp amin ndax li am ci bëgg sërëx yépp ci Sénégal ñu koy def ñun yalla na yalla fay ñu suñu xol ñun ndax liñuy am fi ci dëkk bi metti na sonu nañu té mënuñu dem Sénégal am fa lo xamné rek moy suñu mérite ñun suñu fa démé sax dañ nan yeen kañ ngeen di ñibbi c'est comme si on appartient au Sénégal donc lolu motax ñun ku ñew fi joggé dëkk ba dëkk di ñu représenter dañuy sawar trop nek sa ginnaw ba nga xamné inshallah fi nga bëgg démé les femmes yel ñun ñep nañ fa yegg amin nga fekke njabot lepp sekke fi dara ñu xam sallallahu alaihi wasallam mais aussi de poser une question très importante. Quelle ouverture pour la diaspora, c'est-à-dire diaspora bi am place, mais aussi quelle ouverture pour la nouvelle génération. Mais li dëkk tontu ci li nga xamné mom mo la yëkëti pour nga baña disperser ses visions ak ses forces. Le logement c'est essentiel pour la diaspora. Sans le savoir, bo génné rek nit ñi dañuy sét lan la réaliser. Quand je demandais à mes enfants de revenir du Canada, c'est un de leurs frères qui m'a dit que nous sommes au Canada, c'est taxes qui sont dit. Est-ce que tu ne peux pas leur dire de rentrer? Do rombu ben keur gu rafet ñu ne ko nek Canada moko liggéey. Je leur ai demandé, man il a raison. Je leur ai demandé de revenir sans compter les différentes agences ni leen di escroquer. Je disais tout à l'heure à Khadi, ben khartu may mëna le abi. Khadi li khartu sofila. La mang ko koy wax legui mu ni jëkërem mënul ñoo parce que jëkërem dafa am gan parce que ben nit bu mu rendre service mo ñëw diko honorer mok jabaram tay man ko c'est important il faut rester man ko xam nga lutax yeen jigen ñi nga xamne da ngeen nek ak seen jëkër yi fi mu ni ba man ko gën am mérite c'est que yeen kessa yeene wétli seen jëkër maniko Macky Sall mun ba man ko quand il a initié ben initiative buma d'accord moy donner de l'argent aux femmes des ambassadeurs ñu bari critiquer nañ ko mais c'est important l'ambassadeur est le plénipotentiaire c'est-à-dire signature ambassadeur bob moy engager le Sénégal li tax l'épouse de l'imam de la Mecque ñu diko fay lolo tax la femme de l'ambassadeur ñu war ko encourager parce que bu jaxassé carte gi rek waji signé lu mo xamul té bu boba réew mi duggu parce que le plénipotentiaire l'ambassadeur luma signé mu dial donc cet état là daf leen wara bayi leen xel ci du insertion du programme d'insertion ñi nek en défiance de la loi rek lañ ko wara défal mais programme d'insertion dañ ko wara défal tam les groupes vulnérables les groupes vulnérables nga xam ñu liggéey won di duggal ci réew mi nak lu fa kenn dul duggal ci dundu famille bo gisé nous autres politiques ñu compter ci yeen pour changer les mentalités c'est que non seulement da ngeen di contribuer économiquement au développement du Sénégal mais da ngeen di contribuer effectivement à la conscience citoyenne des Sénégalais et nous sommes sur quatre piliers le premier des piliers c'est l'éducation on parle pas de formation on parle d'éducation c'est-à-dire il faut ñu yar suñu doomi c'est différent de la formation dañuy yar suñu doomi sur des valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aimerais que nos enfants s'amusent en parlant de nos références, c'est-à-dire Aladji Malik, Serigne Touba, Yansin Tchandoum, donc c'est l'éducation sur laquelle on va insister. Le deuxième pilier, c'est l'éthique. C'est-à-dire qu'il va falloir que, comme Jigen Moyer programme, la famille Moyer, il va falloir que les enfants aient éthique, ça n'est pas une rousse, mais une jom. Donc c'est essentiel. Que lolu ñu def ko comme valeur supranationale parce que Sénégal bo xolé comme ni ko doon waxe dafa commencé une perdition des valeurs ken xamatul kan moy kan le troisième pilier
c'est, comme disait Wad, mais différemment, parce que nous nous inspirons beaucoup de nos anciens, c'est Nongo liguey lu bari new beug beug. Donc travailler comme si on doit jamais mourir et prier comme si on doit mourir demain. Donc dañuy beug liguey ba paré new beug beug. Quatrième bi nak, il va falloir lo mo ñu xawa manké tamit Sénégal. Té amna communauté yépp ñoko xawa sax am mais communauté bi ko gëna développer moy se mettre au service de la communauté. Aujourd'hui au Sénégal, on se met pas au service de la République. Parce que la République elle est importée, la République elle est héritée. Nous voulons une république à la sénégalaise. Nga xamne man le don de soi dama koy def au nom de ma république. Elle aujourd'hui communauté yu beur ils l'ont comment réussi. Mais té bo len gissé la communauté mourite tout tax mu réussir ce qu'il réussit parce que le mourite se met au nom de sa communauté. Mes amis catholiques, pourquoi nous réussir? Parce qu'ils se mettent au nom de la communauté. Et aujourd'hui, nous sénégalais, on ne se met pas au nom de notre république parce que on ne se retrouve pas dans la république. Et il va falloir qu'on s'organise à telle sorte que la République nous rassemble. Et une des piliers de la réflexion, parce qu'on a des sous-thèmes, c'est la diaspora. Qu'est-ce qu'on prévoit pour la diaspora? Vous avez beaucoup parlé, mais nous ne voulons pas gérer la diaspora. Nous voulons que la diaspora se gère elle-même. C'est-à-dire nous gérer la diaspora. Nous, l'idée qu'on a, on a envie de mettre une banque de la diaspora. Une banque. L'a dit tout à l'heure, une mutuelle. C'est l'idée. Mais on veut être une banque de la diaspora, non pas gérée par l'État du Sénégal, mais gérée par vous. Il n'y a que diaspora, il y a une banque, une banque, nous appelons, gérer le Cosen Bob. Des actionnaires français, des actionnaires de l'Italie, d'Espagne, tous les Sénégalais qui sont dans la diaspora vont être actionnaires de cette banque-là. Et vous allez gérer votre banque. À part de ce moment, vous aurez vos logements. À part de ce moment-là, vous allez non seulement habiter, parce que c'est vrai, beaucoup n'ont pas trop, mais ce qu'on veut moins, à part de ce moment-là, vous allez créer des entreprises. Parce qu'on a une banque d'investissement. Vous n'allez pas dépendre de nous, État, qui va vous donner de l'argent. On va vous garantir, faciliter les choses, de telle sorte que, bon, excès sur place, vous allez investir et travailler pour vous. Disons la famille. Mm-hmm. Disons, nous allons pour faire un programme autour de la famille. La famille, moi, c'est seule. La famille, c'est le quartier, c'est le quartier. Je suis allé à la maison.
jom galle wodo jabbi min ton fotono adi min jabbade kadi vraiment min derti min hen no fini ala fof keddido ala fof keddido wuro ngo nyen hen biyata ko gardo nono ko denga woni president de la republique projet bi modi 1960 ba legi jigen dugul ci xale te jigen amna programme te jigen mën na yor rew mi parce que rew mi fi mu nek fi mu tollu la liñu waron def yeb def nañ ko bamou dess yermane bamou dess top to famille bir teñi ci sen bop ño son xalé ci sen bop ño son ba paré li nga xamné mo ci problème jigen nekku ci problème goor parce que xalé bu goor bu liggéeyum yaayam lañu wax ni liggéeyum wante nak su féké jangam amna ben problème té jang nguur moko yor wala nit ñi amuñu kër yu ñu dëkk ñi nekk ci diaspora bi dinañ yonné xaaliss kenn du leen défaral kër ñom rek ñoo mëna ñëw défaral ko seen bop yoyu volonté gouvernement la mais lolu liko jigen bi yek goor du ko yek bi nga xamé ni Liberia fal nañ Ellen Johnson Sirleaf bi Ellen Johnson Sirleaf paré dañu ni légui kan ci Afrique moy ñëw nek li Ellen Johnson Sirleaf nekkon kan ci Afrique alors ñu jël juroomi nit ñu ni juroomi jigen ñi de mën nañ ko doon ay dembe ci la bop machallah damay wax luma nit yeene sama fit duma ko xagn té sama fit bobu limay reey mënuma ko dem ak sama mbokk man ben rek la len di leral té Ousmane insiste na néna na ko leral parce que mom mënu len ko expliquer parce que ci man la wara joggé moy top ma ci gannaaw kenn faluma kenn man amna parti mu tuddu Alliance Nationale pour la Démocratie and saxal ligé su féké ni bëgg ñeet ay dembu dem palé yeen koy fal ay dembu du campagneal kenn partem lay campagne bopam lay campagne bopam la bëgg dem limay wax ak yeen man ma koy wax may jël engagement bu ëllëgé man ma nan est ce que dina déllu Elbeuf parce que lama leen waxon def nako wala est ce que duma déllu Elbeuf wala est ce que dina dajé ak yeen dondu wala ndax dina dajé yeen fa day wax dina dajé yeen matam parce que yeen ay sama mbokk bado ele lañuy japp mais kenn du japp borom doom alors lolu nak il faut mu dañ parce que bu mu jam dafa diex à partir du moment où ki fi nekkon diexal na da fay dem mais bu len ko jox kenen jox len ko sen mbokk muy ay dembe di sen mbokk jigen mu meuna xam fan la xale yepp mu meuna xam lan moy problème jigen ni mu meuna xam lan moy problème ménage mu meuna xam ñu nekk ci diaspora yi nan lañuy def ba ñu gisse nan lañuy amé keur logement social ñu réglé ko parce que logement social programme la ñun mu ci suñu programme amna kuma andal mo nekkon directeur général Dakar dem di ci ñi bind programme bi la bokku demb mu ngi won ci ay sata xam kat yoyu mom lañu andal ñu bind programme bi programme bo xamni man mako xalat à partir du moment xalat nañ programme bo xamni pour ñepp la yalla dogal aussi xamna man samay mbokk man ku nekk xamna lima bokk ak mom ku nekk xamna lima bokk ak mom xamna Ousmane Boj ma ak mom ñoo jox bokku ci akamba bi nga xamne doy demba ko djum sax lolou la ma wax wa xamna kuma am kuma xam rek xamna man duma dem mukk ci kenn parce que dañ ni bu sa mbokk baxé loy wut ci mbokk jamm ba fay xex dem ma ci kenn man soy mbokk lay laaj waxna Ousmane aussi man ko yow yaay wax ak wa Elbeuf mën ma dédé yow yaay dem nga wax ak ñom wax leen ni soutenir lo kenn yow yaay taxaw yow yaay kile yow ya leen di wax lo xamne bu ëllëgé yow ay dumbe yow yaay wax yow yaay leen waxon di est ce que def nga ko wala dit mais man duma la laye wax na deug parce que biñu ñëwé dem nañ Paris dem nañ Nice dem nañ Suisse loolu lañu calculer won ni mom lañuy def demb def nañ meeting Grigny madame la présidente Aïssata Mbodj mo doon recevoir ñëw nañ fi bu suba inshallah damay délu Sénégal bon mbir bi mu ngi noonu waxuma yeen ñi ma waxal mais kenn ku nekk ki nga mën a waxal Sénégal waxal ak moom ki nga mën a waxal Amérique waxal ak moom ki nga mën a waxal fii waxal ak moom mbir mi seen yëf la yéen a ko moom doo toog ba am dara nag nga xam ne jege na da ngay laal nga di ko sàggan keneen di ko jël parce que ku ngeen bàyyi mu jël ko it ay mbokkam lay xal ay mbokkam lay xalaat te jigéen ñi sonn nañ coono boo xam ne ku leen xam seen coono rek moo leen mën a dégg kon je pense que la cause est entendue war nañu dégg li nga xam ne moom la ñu wax
Aïssata expliqué na yépp té lolu mu expliqué mo ci né lépp lu nga xamé ni taxaway la té war nañ ko def ay matukaay pour mëna def suñu candidature dinañ ko def ñu ngi préparer congrès parti bi dina ci wax ak Ousmane pour mu am ño xamné dina ñëw fekk ci congrès parti parce que congrès parti bi c'est au mois de mai parti bi bu investiré ay dem boy waxna leen né luma sama nawlé yéne sama fit duma ko xañ damay dem rek machallah inshallah leen sax di gëreum accueil bi diko sant parce que waxna ko Ousmane dana ko bima ñëwé sama bop rek la fi fekk fekk na fi jabar yo xamni may seen dëkk ta xamnañ ni may seen dëkk fekk na fi mbokk yu bax servir nañu man ak ñima and rusuma ci ñëw sama kër ci ambi parce que luma fi wara fekk fekk na jigeen ñi téral nañ ma doom yi téral nañ ma dëkkëndo yi téral nañ ma sant nañ yalla bu bax ma ngi leen di gëreem di leen sant di ñaan ngeen ñaanal ma yalla bu gën xépp sa ñaan na ñepp ñaan parce que yalla mom moy xam 2024 ku nekk président mais man ma ngi sabablu bëgg na ko doon té bala ma soutenir kenn soutenir sama bop yo le wala wala kay mo ci ala